très clair aujourd'hui pour dire il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact, proche de personnes malades. Tu vas te taire, hein. La grande injure, c'est un art, et pour ça t'es trop bête. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Ah, que c'est dur pour une belle cochonne à la fleur de l'âge d'être aussi dédaignée. Ah. J'insiste. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Qui vous a dit ça ? Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur, puisqu'on porte un masque et on se contamine les mains, et puis on n'a pas le masque 24 heures sur 24. Ancien combattant, militant socialiste et bistrot, c'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Non, les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies, parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies. Alors, écoutez, madame, ça n'est plus la victime qui vous parle, mais l'éducateur, le sociologue. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La seule, la meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour. Et nous continuons d'avancer. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandée, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Écoute. On ne te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Les tourmenteurs d'anciens, je les étrille, je les pilonne, je les émascule, je leur réduis la tête. Disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable dans de nombreuses circonstances de porter un masque plutôt que de ne pas en porter, et il me revient donc de le dire, et de faire en sorte que cela soit possible. À quoi je le reconnaîtrais ? Un beau brun, avec des petites bacantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de mettre les talons. Il serait à Sèvres. Bon, je récapitule dans le calme. On la débusque. On la passe à l'acide. On la découpe au laser. On la dissout et on balance ce qui reste dans le lac d'Aumesnil.